Fabriquer un chariot de soudure, ça t'intéresse? T'en as peut-être marre de poser ton poste à souder par terre dans la poussière, d'avoir ton métal d'apport qui traîne n'importe où, ou même de passer 10 minutes pour remettre la main sur tes pièces de rechange. Eh ben c'est parti, je vais te donner toute la démarche à suivre pour savoir comment fabriquer le chariot de soudage de tes rêves. D'abord, je vais aborder les points sur lesquels tu vas devoir réfléchir pour que ton chariot convienne à ton utilisation. Ensuite, on va voir la fabrication du mien, ça va sûrement t'inspirer. Puis je reviendrai t'expliquer certains détails de la fabrication du chariot pour que tu comprennes bien et ne fasses pas certaines erreurs. Parce qu'il y a toujours des détails auxquels on pensait au moment de la conception et qui au final sont pas du tout pratiques ou réalisables. Fais-toi absolument une liste de critères qui sont importants à tes yeux. Et pour chaque critère, pose-toi la question, est-ce que ça va évoluer dans le temps? Par exemple, si t'as pas encore la bouteille de gaz, est-ce que tu vas prévoir quand même l'emplacement sur ton chariot si jamais tu prévois d'investir dans la bouteille par la suite? Donc vraiment, pense à long terme, ça évitera de refaire un chariot dans 6 mois. Premier point à noter, c'est le nombre de postes à souder qu'il y aura dessus et lesquels, puisque c'est ça qui va définir la taille et l'emplacement des plateaux. Moi, je voulais mettre mon Mi'kmaq Stahlwerk et mon Parkside fil fourré. Point numéro 2, y aura-t-il un emplacement pour bouteille de gaz? Dans mon cas, oui. Point numéro 3, la mobilité. Quel type de roue? Est-ce que je mets 4 roulettes pivotantes ou seulement 2? J'ai décidé de mettre 2 pivotantes à l'avant et 2 roues de type diable à l'arrière pour pouvoir l'emmener un peu partout et même monter des escaliers si besoin. Point numéro 4, les tiroirs ou casiers de rangement. Il faut penser à leur laisser de l'espace. Perso, j'ai opté pour un seul tiroir qui se trouvera tout en haut sous le dernier plateau. Point numéro 5, quel type de poignée pour le manier au mieux? Fixe, repliable? Est-ce que tu vas être amené à le soulever pour passer des marches? Donc quelle longueur et quelle épaisseur? Pense aussi à toutes les petites choses qui peuvent être embêtantes. Par exemple, s'il n'y a pas assez de place entre l'arrière de ton poste et ta bouteille de gaz, tu risques de pas arriver à brancher ton raccord. Ou si tu fais passer un renfort devant la trappe d'accès pour changer la bobine de fil, ce serait dommage. Dernier point important, est-ce que tu cherches à faire au plus simple et fonctionnel, ou est-ce que tu veux te pencher un peu sur le design pour avoir le plus beau des chariots? Pour moi, c'était fonctionnel en priorité et qui me prenne le moins de temps possible. Mais avec un détail qui avait son importance, je voulais vraiment que le dernier étage soit un plateau qui me servira soit à poser des outils quand je suis sur un projet, soit à poser mes plans et faire mes calculs et mes croquis. Et ce plateau, je le voulais en bois absolument, pour la bonne raison que le bois dans un atelier, ça apporte un côté chaleureux, lumineux, confortable et donc motivant pour travailler dans de bonnes conditions. C'est mon avis, mais je pense que je suis pas le seul à partager ce ressenti. Bref, je lance la vidéo de fabrication et je te récupère juste après pour te dire si tout me convient ou si j'ai eu des mésaventures. Et pense à bien regarder ce que je fais, tu peux sûrement y trouver des astuces de travail ou de fabrication.
Well, my drinking buddy passed away. Lightweight, couldn't hang. So I filled my flask and went to say farewell. I stood in the back, dressed in black, tearing up and turning up and getting lit up. Good God, awful, greasy and drunk as hell. I cried, I'm coming for you, buddy. That's where I'm bound. I'm a-talking about hellfire. Dance floor at Chelsea's bar. I should have turned her away, but I was out of sight. I was firing, she was gasoline. But we were both sad and lonely after what death had done. But like rattlesnakes kicked across the ground, our true loves were dead and our hearts were full of grief. I was firing, she was gasoline. Good God, I was firing, she was gasoline. But we helped each other out, Lord, to ease some of the pain. Best friends and lovers most of the time. But I would go mad when she would turn mean. I was firing, she was gasoline. Yeah, I was firing, she was gasoline. Work, sleep, repeat. Yeah, work, sleep,
seems like yesterday I was 17, running bootlegs and draws and screens. Now I'm running a debt and I'm scrambling to make ends meet. So work, sleep, repeat. Oui, je sais ce que tu vas me dire, j'ai pas fait le tiroir en dessous du plateau supérieur. Et c'est normal, j'avais pas les matériaux sous la main, donc je rajouterai ce tiroir dès que j'en aurai l'occasion. T'as peut-être pu voir aussi que j'ai été embêté avec le cerclage qui retient la bouteille de gaz. Je pensais le faire en un seul morceau, mais c'était pas du tout fonctionnel à l'ouverture, puisqu'il était coincé par la bouteille. J'ai donc dû le couper au centre pour mettre une charnière supplémentaire, et maintenant c'est nickel. T'as vu aussi que j'avais pas mis de plateau tout en bas, j'ai juste mis deux fer-plats percés à la taille des patins du poste pour qu'ils s'emboîtent dessus et ne bougent plus. Ça allège le chariot et laisse de l'air circuler, c'est pas plus mal. À l'étage du dessus par contre j'ai mis une tôle parce que je sais pas si c'est ce poste qui restera en permanence dessus. Je mettrai peut-être mon poste à l'arc de temps en temps. Les poignées sont repliables et au final c'est pas compliqué à faire, il suffit de décentrer un peu l'axe pour que le pivot puisse se faire sans bloquer. Et aussi de bien penser à percer les montants du chariot quand les poignées sont en position d'utilisation. Pour les roulettes par contre, fais pas comme moi, achète directement de la qualité, parce que moi j'en avais des pas chères, et elles pivotaient très mal une fois chargées, du coup ça gâche tout le côté pratique du chariot. Sinon ce plateau bois, je sens que je vais l'adorer, ça va être super pratique, surtout que mon établi est ajouré, donc j'ai tout le temps les petits outils qui tombent par terre, et c'est plutôt usant. Alors pour l'instant j'ai fait le chariot le plus simple pour mon utilisation. Il y a mille autres façons de procéder et d'avoir le chariot qui te convient. Perso, je vais sûrement rajouter des crochets pour mon masque de soudure et un support pour poser ma torche quand je soude pas. Si t'as une question sur la vidéo, sur les dimensions du chariot ou sur un outil ou une technique que j'utilise, n'hésite surtout pas, je réponds au max de monde possible. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi.